Bonjour. Le test utilisateur peut revêtir différentes postures. Posture marketing, posture projet ou posture processus. La posture marketing, c'est de l'assimiler à une démarche globale de compréhension des besoins et des attitudes des consommateurs. Le marketing s'intéressera avant tout aux éléments déclencheurs de l'acte d'achat. L'ergonomie, quant à elle, s'intéressera avant tout à la manière dont le produit ou l'interface sera utilisé. L'un s'intéresse donc à l'opinion et à l'attitude du consommateur, l'autre au comportement de l'utilisateur. La posture au projet, c'est le fait de considérer le test utilisateur comme une étape dans le processus de conception ou de refonte d'un dispositif interactif. Un test peut effectivement intervenir en amont ou en aval de la phase de conception ainsi que de la phase de développement, c'est-à-dire dans des conditions réelles d'utilisation. Différents types de tests sont possibles. En amont de la conception, on peut parler d'entretien, des questionnaires, des tris de cartes. En aval, on peut toujours parler d'entretien, des questionnaires de satisfaction, de eye tracking, moyennant le développement d'une maquette. La posture processus, quant à elle, c'est de considérer le test utilisateur comme une fonction récurrente dans la stratégie de gestion de qualité du dispositif interactif. C'est la logique de l'amélioration en continu. Il peut s'agir de tests quantitatifs via des méthodes de test A-B, A étant l'élément à tester et B l'élément de contrôle, ou de tests multivariés. En guise de grille de lecture des tests, il peut y avoir une classification selon l'élément à tester, maquette ou produit réel, donc un site réel, ou du type d'utilisateur, un expert ou un utilisateur au final. On parlera plus de tests utilisateurs quand on croise une maquette, donc une situation artificielle, avec des utilisateurs finaux. Concernant le terme utilisabilité, les différentes définitions se concentrent et insistent sur le caractère efficace, efficient et satisfaisant de l'objet à utiliser. En termes de conception de site internet, on peut donc parler d'utilisabilité de tout ou partie du dispositif. On peut tester, entre autres, la facilité à comprendre le site, la facilité à comprendre une fiche produit, la facilité à trouver l'objet recherché, le niveau de compréhension de la structure du site, la clarté globale du site, voire l'efficacité du site en remplissant une tâche ou un objectif donné. Tous les outils d'analyse et de test d'utilisabilité visent in fine à mesurer des dimensions basiques et transversales qui peuvent être appliquées à toutes les cibles. On cherche à vérifier si l'interface remplit bien son objectif en termes d'efficacité, de simplicité et d'atteinte des résultats escomptés. Chaque dimension peut être mesurée par différents items. Dans le planning projet global, il faut prévoir les phases de testing qui peuvent se dérouler sur un mois calendaire. La phase de recrutement des participants peut être un peu longue. Pour mettre en œuvre le test, il faut bien sûr une maquette interactive installée sur un ordinateur ou directement accessible en ligne, un guide d'entretien rédigé par un expert ergonome et qui tient compte des objectifs à tester, un ordinateur avec un logiciel de capture d'écran et d'enregistrement. Un test simple peut être rapide et à distance sans l'aide d'un animateur. Tout dépend des objectifs de test et du dispositif à tester. Un test utilisateur est plus ou moins long selon l'objet du test, un site internet, une page, un scénario. Un test rapide peut se faire en 5 jours de charge, mais prévoir un peu plus de jours calendaires pour le planning du test et l'invitation des utilisateurs. Un test plus lourd, prévoir entre 10 et 15 jours de charge. Selon Jacob Nielsen, 5 utilisateurs peuvent déceler 80% des problèmes d'utilisabilité d'un site. Généralement, les tests se déroulent correctement avec 8 utilisateurs en moyenne. Cependant, en recrutement, il faut plus de participants pour pallier au phénomène des no-shows, des personnes qui ne se présenteraient pas. Quelques exemples de tests utilisateurs. On peut citer le tri de cartes qui permet de faire appel à des utilisateurs finaux dans la tâche d'organisation et d'ordonnancement de l'information sur le site. Il peut être ouvert, donc sans imposition d'une structure ou d'une organisation prédéfinie, ou fermé, donc en imposant déjà une structuration de l'information.
L'inspection ergonomique, quant à elle, avec une maquette interactive, est généralement scénarisée et où l'utilisateur est assisté par un facilitateur qui lui pose des questions pour commenter ses actions et ses impressions. En entretien de groupe autour d'un produit ou d'un usage, pour rechercher les motivations et les inhibitions. Le format groupe, donc test de groupe, permet de susciter des réactions entre les participants et du coup un enrichissement mutuel. Le recours à une démarche de testing est un exercice héroïste parce qu'il permet de prendre moins de risques sur les développements informatiques, en s'approchant le plus possible de l'architecture cible la plus efficiente. Un test utilisateur peut déceler jusqu'à 80% des problèmes d'ergonomie en amont dès le stade de la maquette interactive.